Alors, j'ai partagé mon écran. On va commencer le premier exercice sur l'optimisation. L'optimisation des requêtes. Donc, comment se fait l'optimisation d'une requête? La première étape, c'est d'exprimer la requête SQL en un arbre algébrique. Ensuite, on optimise, on utilise des règles pour optimiser l'arbre algébrique. Et de ce fait, on crée un plan d'exécution optimal. Alors, c'est quoi un arbre algébrique? Donc, je vais utiliser un tableau. Pour transformer ou exprimer une requête SQL en un arbre algébrique, on utilise les opérations suivantes. Donc, dans une requête SQL, qu'est-ce qu'on retrouve comme opération? On retrouve en premier lieu la projection, le select. Donc, quand on écrit select et on donne un nombre d'attributs, dans un arbre algébrique, on traduit ceci par une projection. Le symbole de la projection, c'est le pi. Donc, on écrit le pi, on écrit comme indice les attributs projetés à projeter et devant le symbole pi on donne le nom de la table. Par exemple, la table, si on utilise l'exemple qu'on a, la table client, par exemple. On a aussi, quand vous mettez, donc bien sûr, select et l'ensemble d'attributs, from l'ensemble de tables, donc les tables apparaissent ici. Et ensuite, nous avons un ensemble de restrictions et de jointures. Commençons par les restrictions. Pour les restrictions, on utilise ce symbole. Donc, en indice, on met la restriction, par exemple, je sais pas, ville égale j'ai pas exemple. Et de même, le nom de la table se met dans à côté. Ensuite, nous avons la jointure. On utilise pour la jointure ce symbole. Donc, elle peut être une jointure. Dans une jointure, donc on écrit l'attribut de jointure. Par exemple, la table client.id égale, par exemple, visite.id. Si vous ne mettez pas le... Donc, s'il n'y a pas un attribut de jointure et on utilise ce symbole, ça va être une on appelle ça, la multiplication des deux tables. Aussi. Pour chaque valeur, on part pour tous les autres valeurs. C'est on appelle ça, le produit. C'est pour le produit cartésien de deux tables. Il y a d'autres opérations, bien sûr, les principales qu'on peut utiliser. On a l'union. Donc, l'union, vous pouvez utiliser le symbole union. La différence entre deux tables, c'est le moins, etc. D'accord. Donc, par exemple, si je vous donne une requête, la requête suivante.
On va directement l'appliquer sur pour ne pas s'attarder, surtout que le nombre de présents. Donc, on va appliquer ces règles pour interpréter la requête donnée dans l'exercice en un arbre algébrique. Ensuite, on verra quelles sont les règles pour optimiser un arbre algébrique. Donc, dans l'exercice 1, on vous a donné 4 tables, 4 relations propriétaires, identifié par numéro du propriétaire et notre attribut. Propriété, c'est le numéro de la propriété. Et nous avons comme clé étrangère le numéro du propriétaire. Et client, identifié par numéro de client, son nom, prénom, adresse et des attributs qui définissent les préférences du client par rapport aux locations de propriété et visites qui donnent les visites effectuées par les clients sur une propriété. Donc le schéma exprime les locations, la gestion des locations d'une agence immobilière. D'accord. Donc un propriétaire qui veut louer une propriété. Une propriété, les attributs qui nous intéressent, elle a la propriété, elle a un type, le type de propriété veut dire un appartement, villa, un garage, un local, voilà. La location, c'est le prix de la location. D'accord. Et donc le client veut louer une propriété. Donc, un type de préférence, donc le type de préférence, c'est le type de propriété qu'il veut louer, un appartement, garage, villa, etc. Et l'OCMAX, c'est le prix maximal de location qu'il souhaite. Donc, certains clients effectuent des visites sur certaines propriétés. Donc, on vous demande d'exprimer la requête SQL suivante. Quelles sont les propriétés visitées par les clients qui recherche des appartements? On a mis en gras appartement pour dire qu'il recherche un type de propriété qui est appartement. D'accord. Du propriétaire numéro CP93. Donc, essayez de me donner la requête. Vous pouvez l'envoyer sur le chat. Alors, on corrige ensemble. Rappelez la requête. Donc, on nous demande de sélectionner les propriétés visitées par les clients. Donc, ça va être select numéro de propriété. Bon, la ville, c'est facultatif, mais l'essentiel, au moins, le numéro de propriété. Donc, from client visite et propriété, where. Donc, on a les clients recherchent un appartement. Donc, type préférence égale appartement. Un type préf égale type. Là, on peut déjà améliorer notre requête. On relève les... Bon, laisse tel. Ensuite, la location max doit être supérieure ou égale à la location. Le numéro de propriété, le numéro du propriétaire égale CP93. Ensuite, on rajoute les jointures pour récupérer les propriétés
visité par les clients. Donc, on a new client égale client point new client égale visite point new client et visite point new propriété égale propriété point new propriété. Naya, je voulais modifier, au lieu de mettre la jointure type égale type préf, on peut mettre directement type de la table propriété égale aussi appartement. Mais ici, on va le faire l'arbre algébrique. Deuxième question, on vous demande de donner un arbre algébrique. Donc, où je prends l'arbre algébrique, ce qu'il y a dans le select, c'est des projections. Ce qu'il y a dans les restrictions, c'est des restrictions, on utilise le symbole restriction que j'ai donné ici. Et ce qu'il y a dans les jointures, on va utiliser la jointure. Donc, on aura comme premier arbre correspondant à cette requête l'arbre suivant. Donc, Adna, new propriété, projection des attributs new propriété et ville. Ou Adna, toutes ces restrictions, donc le type d'appartement, le type de préférence, la table client égale appartement, type préf égale type, location max supérieure égale à location, et new propriété égale à CP93. Ensuite, nous avons trois jointures, donc jointure entre client visite, ensuite jointure avec propriété. Vous pouvez modifier l'ordre des jointures, vous pouvez mettre client propriété visite, ensuite avec client. Même chose. Quelles sont les règles d'optimisation d'un arbre algébrique? Là où je crois qu'on a pour opti le but d'optimiser une requête, c'est de minimiser son temps d'exécution. Pour minimiser le temps d'exécution d'une requête est constitué principalement par le temps de calcul proprement dit et plus le temps d'échange entre la mémoire et le disque. Le temps de transfert des données entre la mémoire et le disque. Ou est le temps de transfert entre la mémoire et le disque ou le plus coûteux. Donc le temps d'exécution en mémoire est en général négligeable. Il est négligeable devant le temps de transfert des données à partir du disque, entre le disque et la mémoire. Donc, pour minimiser le temps d'exécution globale d'une requête, il faudra minimiser le temps d'échange entre le disque et la mémoire. Et pour minimiser ce temps d'échange entre le disque et la mémoire, il faudra minimiser la taille des données à récupérer à chaque étape dans la requête. Donc, comment faire pour minimiser le temps, la taille des données? Il faudra commencer, au lieu de commencer par exécuter la jointure entre client et visite, ça va être pour chaque tuple de client, je vais récupérer toutes les visites. Et je récupère tout ça en mémoire. Ensuite, pour chaque tuple de client visite, la nouvelle table que j'ai récupérée, je récupère toutes les propriétés. Donc, c'est énorme comme données. Donc, pour minimiser la taille des données, il faudra exécuter les restrictions le plus bas dans l'arbre. Bien sûr, l'exécution a été même les feuilles. Donc la projection, il y a la fin. Donc, bien sûr, quand on exécute de la requête, on va faire d'abord les jointures, ensuite les restrictions pour faire la projection. Donc il faudra, quand c'est possible, descendre les restrictions le plus bas dans l'arbre. Les restrictions, c'est le nombre de lignes. Puisque, par exemple, la table client, c'est les clients, les amis qui recherchent des appartements. Que les clients aient un type préférence ou appartement. Pourquoi prendre tous les clients de la base donnée? Donc, je vais prendre que les lignes où type préférence égale appartement. Donc, faire descendre les restrictions le plus bas dans l'arbre quand c'est possible. Donc, par exemple, le type préférence appartement n'a pas tel client. Numéro de propriété, puisque ça corrige le propriétaire numéro CP93, pourquoi prendre toutes les propriétés? On prend juste les propriétés, il y a un numéro de propriétaire CP93. Donc maintenant, on va réduire toute cette table à une seule ligne. Mais j'ai une seule ligne, à quelques lignes, à l'ensemble des propriétés
c'était le propriétaire CP93. D'accord. Voilà, Mardach, à la type préf, type allocation max supérieur à, ou égal à allocation, parce que les deux restrictions, elles concernent deux tables. Donc, type préf, à type, elle concerne la table client et propriété, ou kif-kif. Client et propriété. Donc, il faut mettre la jointure entre client et propriété pour pouvoir faire ces restrictions. Madame, Oui? qui dit la jointure entre deux tables? Qui fais-je? Qui a dit la jointure entre deux tables? Hein? Ah, il dit les deux tables, il faut changer en câble, il faut mettre la mémoire, regarde. Oui, dans ma fiche la mémoire, alors il y a des va-et-vient. Ah, d'accord, ça. Pour chaque ligne, ta client, par exemple, jointure bien client visite, pour chaque ligne de client, il va récupérer toutes les lignes de visite, oui, comparer la clé de jointure. ما يقدرش زعما يكومباري شغل داخل الديسك يا سا ديبون في الحق عندك الحق لا جوانتور اذا كانوا عندي هنايا لا ميثود اللي نقولها لك يجيب توت لي لين تاع هذا وبشي بور شاك لين يجيب توت لي لين كي ما يكونش عندي ان اندكس كي يكون باغ اكزومبل لا جوانتور تكون على لا كلي بريمير على ديك لي بريمير ولا على ان كلي اللي فيها ان اندكس ماش حيجيب بور يولي بور شاك لين يروح يجيب غير لا لين تاع فيزيت لي كي لوي كوريسبون يدير ان اكسي ديريكت D'accord. Ou là qui connaît, soit qu'on a l'index, ou là qui connaît les données triées. Donc, il y a trois manières, les chiffres en fil court, tu as la jointure. Jointure sans index ou sans tri, il y aura jointure avec boucle imbriquée. Pour chaque ligne de client, il y a toutes les lignes à visite. Ou là qu'on a un index, pour chaque ligne de client, il y aura directement il y a la ligne correspondante me visite, puisqu'il y a un index sur la clé, par exemple, ID client. Il y a directement la ligne. Oui, là, quand nous t'as dit que les données triées, on peut trier les données de ta client et les données de ta visite par rapport à la clé de jointure, de telle sorte qu'on peut nous comparer à chaque fois. Donc, pour chaque ligne de client, moi, je vais ta visite, nous allons parcourir une valeur supérieure. D'accord? Où est la troisième méthode? Où c'est là? Tri, jointure avec un tri. Quand une jointure de l'index ou quand une boucle imbrique. Donc, on a comme le pire des cas où il m'a dit ni index ni tri. Donc, il y a une jointure à un attribut où il m'a fait un index. Tableau, chaque tableau, il y a un DBD. Chaque tableau, un l'adresse de où il chaque table, je chaque table. Chaque table, a une adresse, ou sinon, sur le disque. ايه عندها لادريس دو دوبي تاعها في الديسك لا هكذا علاش زعما ما يحكمش زعما اي تي شارجي كليون برك وبلادريس هذيك يروشيرشي ايه بصح اذا ما كانوش لي دوني فيهم ان اندكس كيف يروشيرشي يجوز عليهم كامل ايه يجوز عليهم كامل يجوز عليهم كامل ايه هذه واش انا نقولو بصح هذه الخدمه ما تدند باش تكومباري اذا هذاك هو المشي هو جيبو اون ميموار لو كالكول يسرا اون ميموار ما يقدرش يكومباري في الديسك انا يقول اش هذه بي شارجي الى هي لا لا كبيره نيمبورت كال كالكول كومباريزون كالكول يسرا اون ميموار الديسك تروح تجيب برك لانفورماسيون باسكو لونيتي اللي دير لو كالكول لازم تسحق تاكسي ديال لا ميموار ماشي الديسك D'accord. Bien sûr, il y a en général, mais chaque tuple par tuple. On va voir l'exercice suivant. C'est en général, du coup, par bloc. Donc, il y aura le disque qui dit un bloc, fait un ensemble de tuples. Oui, il dit le bloc suivant, ainsi de suite. On va voir un exemple, l'exercice 3. On va mieux comprendre les choses. Je vous parle comment optimiser une requête. D'accord. Les règles d'optimisation du requête. Donc, on a pour minimiser la taille des données ligne du bon disque, il faut exécuter les restrictions le plus bas dans l'arbre. Les colonnes, les messages, il vaut mieux ne pas les ramener. Par exemple, client, on y chauffe les type préférence, les lock max. On sait l'ID du client pour faire la jointure. Donc, les autres attributs, l'adresse, le nom, le prénom,
pas la peine de les récupérer à partir du disque. Et donc, pour cela, même les projections, il faudra les faire descendre le plus bas dans l'arbre. Donc, à chaque fois qu'on doit minimiser la taille des données à récupérer, il faut le faire en exécutant des restrictions et des projections. Donc, il y a une application des règles qu'on a dans l'arbre. Là, il y a la restriction tactique préférence appartement. On a la restriction numéro propriétaire sur propriété. Ou on a une les colonnes. Donc, les colonnes, on la projection client du bouti pas. Bon, on a un récupéré. On va voir. Avec l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, on a ça. Donc, on a exécuté la restriction d'abord sur client et la restriction sur numéro propriété. Numéro propriétaire. D'accord. Donc, quand on va exécuter des projections, on a récupéré les clients, les type préférence appartement. À partir de là, on va dire la projection, l'ID le client et location max. Mais type préférence, c'est bon, mais c'est proche parce que c'est bon, j'ai récupéré les lignes adéquates. La l'égalité technique. تقدروا تنتربريتيوها تيب ايغال ابارتمون اي فير اون اوتر اوبتيميزاسيون سينو خليوها هنايا ابري لا جوينتور اذا تحبوها ديروها اون طون كو ايغاليتي دونك اون اوبتيان لارغو سويفون اذا زدنا لي بروجيكسيون دونك ابري افوار في لا ريستريكسيون تيب بريفيرونس ايغال ابارتمون جو ني لاس كو لي دو كولون نيميرو دو كليون اي لوك ماكس. D'accord. Ou alors je mets type préf parce que avec l'égalité, il y a de l'égalité type préf égal à type, je l'ai interprété à type égal appartement. Donc c'est une autre restriction sur propriété de la type égal appartement. Numéro propriétaire. On a F propriété dès que les colonnes numéro propriété, location et ville. Bon, ville parce que non, on a la projection. Ou visite, nous avons un numéro client et numéro propriété. Nous avons la date. D'accord? Je fais la jointure. Après la jointure, je peux faire la comparaison entre loc max et location. Parce qu'elle dépend de la table client et la table propriété. Donc, là, je connais la jointure. L'arbre optimisé, l'arbre final optimisé. Donc, si on fait le calcul, tu as le nombre de lignes, la taille, tu as les données, l'arbre loup ou l'arbre Adam, on va voir que il est beaucoup moins, la taille, tu as les données, est beaucoup moins volumineuse, fait d'exemple. Parce que donc, sur les lignes et les colonnes. Avez-vous des questions par rapport à cet exercice? Donc, en résumé, c'est toujours le même principe quand on vous demande d'élaborer un arbre algébrique et de l'optimiser. Donc, à partir de la requête, les attributs select et aux projections, les restrictions, le symbole de restriction, les chenins, voilà, et les jointures. Ensuite, pour optimiser, faire descendre les restrictions et les projections le plus bas dans l'arbre à chaque fois que c'est possible. Chaque fois qu'il est possible de minimiser la taille des données, il faut le faire. On peut passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est comme si c'est la suite. On va montrer, mais si on calcule la taille des données, fait un arbre non optimisé et les données fait un arbre optimisé, bien sûr la taille des données deuxième coup de meilleur. On passe au deuxième exercice. Oui. D'accord. Alors le deuxième exercice. Voilà, on vous donne l'arbre algébrique, tu as une requête simple.
et on vous donne deux relations, deux tables. La table l'ouvre la semaine R, on a deux attributs A et B. La deuxième table, c'est S, on a deux attributs B et C. L'arbre algébrique correspond à la requête suivante. Est-ce que vous pouvez me donner la requête exprimée par cet arbre? On a une projection sur ABC, c'est-à-dire on a select ABC. From les tables, c'est bon, les faits. From R et S. Where? A, on a une restriction, on a A égale 10. On a une jointure entre R et S. On a un chauffe-eau, je vois l'attribut en commun bin R et S, qui est un seul, le B, donc on ne peut faire une jointure que par rapport à B. Donc on a une jointure where R.B égale S.B. On a des données statistiques, non? Parce qu'en général, pour optimiser une requête, je suis pour optimiser. Pour optimiser, on applique les règles d'optimisation. Pour calculer, on a indiqué, évaluer le coût d'exécution. Pour calculer le coût d'exécution, en général, on utilise des données statistiques et on donne des estimations. On ne donne pas un coût exact, mais une estimation par rapport aux données statistiques qu'on a. Ce n'est pas une jointure par rapport à B. Parce qu'en fait, on a dit que Mme Nalcom, je suis les clés de jointure, mais normalement, la jointure, on a dit la clé de jointure. Sur quel élément on fait la jointure? Si vous ne mettez pas de clé, c'est un produit cartésien. Je mène un produit cartésien pour toutes les lignes de R. On associe toutes les lignes de S. Pour toutes les lignes de R, on associe toutes les lignes de S. D'accord. Donc, je corrige. La requête SQL correspondante à cet arbre est la suivante. Je vais l'écrire ici. C'est select A C from R S where A égale 10. Est-ce qu'on est d'accord? Quand vous voulez faire une jointure par rapport à un attribut, il faudra mettre... Oui. Qui a une jointure entre deux attributs? Pardon, qui connaît? Qui a une jointure entre deux attributs? Je suis un peu sûr. Il faut A égale A ou B égale B. فالاوبتيميزاسيون نخلوها هكذاك ولا ثاني نقسموها اني نفكر اسكو كاينه اللي فيك تقسمها ولا سا دي بون سي تو بو اسكو كي تقسمها راح تصيب دوطر اوبتيميزاسيون ولا نو اذا كي جو A priori, c'est la même chose. Hein? Mais quelle est ça? Dire une jointure, ça, l'exécution de la jointure va se faire rien en réalité, étape par étape. Entre les deux tables. L'exécution va se faire en deux étapes. Quand tu l'as dit,
Est-ce que les intérêts de ce ou là 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 pour voir s'il y a une optimisation des rachats d'idées ou là là là. Allez. Faut voir le, mais ça dépend l'exemple. D'accord. Mais l'exécution, bien sûr, va se faire en deux étapes. La première égalité, on va de jointure entre deux tables par rapport à deux attributs. Il y a la jointure, qui est une jointure par rapport à la clé primaire. La clé primaire, elle est une ouhda. L'autre, c'est une restriction. Il faut que tu aies une restriction. La jointure entre deux tables, elle ne peut se faire que sur... elle se fait sur les clés primaires. Si ce n'est pas des clés primaires, t'as une restriction normale. Elle de la clé égale. Qui m'a fait là-bas? Allez. Voilà. Déjà, on a donné une jointure. Type pré égale type. L'attribut, c'est qu'il y a trois clés, on a une jointure. La requête, non. Parce que type pré, Jeff client. Allez. D'autres liens dans la jointure d'une propriété au client sur l'attribut type, parce que donne un type égal type bref. Et là, on l'a exprimé comme une restriction. Là, je ne vais pas blesser une jointure. Quand on parle en général de jointure, on le fait sur les clés primaires. Les clés primaires, on est sûr qu'elles sont uniques. La clé primaire, une table est unique, l'autre est une clé étrangère. D'accord, on a été contrôlé même des jointures, une propriété et client sur type bref. Alors que on a une simple restriction. ندير ريستريكسيون راح مينيميزي الوقت هكذا مش كيما كيف ميم لا جوينتور هي راح دير اون ريستريكسيون بارابور ايغاليتي انتر دو اتريبي سا ميم شوز بصح حنا كون اون بارل دو جوينتور ان جينيرال انتر دو تاب سي انتر اون كلي بريمير اون كلي اترونجير في لوتر تاب داكور كي تحط هنايا زعما اي دي نيميرو كليون نيميرو بروبريتي numéro propriété, une clé primaire propriété ou clé étrangère fait visite. Adam a les jointures, l'indiron. Quitte qu'on une clé primaire, clé étrangère. Les autres, ce sont des restrictions. Madame. Mais le ou le même qui dit les restrictions. Une jointure, c'est quoi? Tu fais une égalité entre deux attributs. C'est une restriction, c'est une forme de restriction. Madame. Oui. هنا في الاوبتيميزاسيون كيما هاد لاب وي رانا مينيميزيو في الطون تاع ليكزيكيسيون تاع لاكات ايه بصح حنايا ماشي تاع السورتي لونتري سورتي باسكو رانا نجيبو لي طون هذا واش قلت حنا باش تمينيميزي لو طون ديكزيكيسيون تبعتني بالك من قبيله بور مينيميزي لو طون ديكزيكيسيون دون روكيت il faudra minimiser le temps d'entrée-sortie, parce que le temps d'exécution en mémoire, il est par rapport au temps d'entrée-sortie. Le temps liquide, ou est le temps avec de transfert à les données de disque la mémoire. Donc en réalité, quand on veut optimiser une requête, on s'intéresse à optimiser la taille de les données qui est échangée au bien le disque et la mémoire. À la BIRA, optimiser une requête. Et optimiser le temps d'exécution d'une requête revient à optimiser la taille de la requête. La taille des données résultantes de la requête. C'est pour ça qu'on a parmi les règles, on a plutôt les restrictions. Restrictions, je vais les donner. C'est les données. Le problème, je vais optimiser le temps d'exécution. Ça quitte les données. Automatiquement, on va réduire les échanges entre le disque ou la mémoire. Et c'est ça qui est ça. Qui te réduire le temps ou ça. Parce que le temps d'exécution en mémoire, il est négligeable. D'accord. Oui, mais ça fait de l'exabète. Quand on met ça au plat, la mémoire centrale. Eh.
يتم مي لو تو زعما باش يدير لا ريستريكسيون باش يكومباري اذا هذاك لاتريبيو ايكال ابارتمون اي نيجليجابل. المشكل كاع سي في لي دوني اللي راح تجيبهم الديسك لا ميموار. هذاك لو طون اللي تسنى يجيب يروح للديسك ولا وهذيك لا تات تاع الديسك سو دي بلاص وتجيب لي دوني, هذاك هو لو طون اللي قلق. وي مي بصح هو يقول لي يجيب لي دو طابلو كامل ويبدا يدير الحسابات في لا في لا ميموار سونترال. دونك باش انت باش تاميليوري لو طون لازم تنقص, ما تجيبش لي طابل كامل, تجيب غير لي دوني اللي تحق. باغ اكزومبل كي في عدو يجيب لي كاع لا طابل كليون يجيب لي غير لا فهمتك, حبيت تقول يجيبها قبل في لا ميموار وبعد يبدا يشوف اذا ابارتمون لو تيب بريفايزون ابارتمون يعني شغل سيكونسور لي دوني هذوك يبقاو في لا ميموار لو بلوك تاع لي دوني. ومن بعد تي شاك لين معنا لو نومبر دو لينات مينيميز تاع كليون, بعد كنصيب 5 كليون اللي عندهم ابارتمون او ليو دو 1000 كليون. بور شاك لين هاد 5 لين نروح نجيب لي دوني تاع فيزيت. باغ كونتخ لو كان خدمت على 1000 لين pour chaque ligne ta 1000 lignes, on va faire des visites. D'accord. Oui. C'est vrai que ma la loule a jib client complet, puis j'ai la restriction tag. Non. Jib client complet, je dirais de la restriction. بصح يوم فوا درت لا ريستريكسيون هنايا راك نقص بزاف لو نومبر دو لين تاع كليون, معناها لا بروشين لا جوينتور هادي بعد تولي تولي خفيفه بارابور لو كان خدمت كاع لي لين تاع كليون لي موان كوتوز لا جوينتور هادي. وي وي داكور فهمتك يعطيك الصحة. مزيان دونك نكملو في هاد ليكزارسيس. Quand le corona fait l'exercice, puisque maintenant on a la clé de jointure explicitement, donc on va faire un produit cartésien d'une R et S. Et une restriction A égale 10. Donc, Alucom doit indiquer les exécutions possibles. Où je mets les exécutions possibles. Adna l'exécution a déjà. Un arbre non optimisé. Et l'autre exécution, on va prendre un arbre optimisé. On obtient les deux arbres. Donc, là, il y a la première exécution qui m'a pas maintenant. La deuxième, on fait descendre la restriction le plus bas dans l'arbre. Donc, A égale 10. A, c'est un attribut de R. Donc, on déroule la restriction A égale 10 sur R, on déroule la jointure. D'accord. Maintenant, on nous demande de calculer le coût d'exécution. Comme le coût d'exécution, en réalité, correspond le nombre d'entrées-sorties. Le nombre d'entrées-sorties pour le calculer. Voilà, je suis égal au nombre d'entrées-sorties. On a le calcul avec en mémoire, on le néglige. Donc, pour calculer le nombre d'entrées-sorties, en réalité, il faut calculer la taille des données. On va dire, on a chaque entrée-sortie. À chaque fois, on dit qu'il y a un multiple par page ou la belle. Donc, on a fait le nombre d'entrées sorties. Donc, l'essentiel, ça revient à calculer la taille de la requête. La taille de les données lors de l'exécution de la requête, à chaque étape de la requête. Pour calculer la taille de les données à chaque étape de la requête, il me faut des statistiques. Il me faut d'abord la taille de la table, bien sûr. Il y a la table, le nombre de lignes. Par exemple, il y a la qui m'a fait l'exécution R, S sans optimisation. Il y a les lignes de S. Il y a le nombre de tuples de R. Donc, card de R, c'est cardinalité de R, et le nombre de tuples d'une table. Donc, c'est cardinalité de R égale 5000, cardinalité de S égale 2000 tuples. Val RA. Hadaval, c'est le nombre de valeurs distinctes. Val R A. Même chose pour Val RB et Val SB et Val SC. C'est le nombre de valeurs distinctes de A dans R. Le nombre de valeurs distinctes de l'attribut A dans la relation R. Voilà, je ne sais pas quoi le nombre de valeurs distinctes. C'est pour pouvoir faire des estimations.
Et en général, on donne la supposition suivante. On suppose que les données sont distribuées uniformément. Je m'énerve la table R, l'attribut A, le même nombre d'une valeur, pour chaque valeur, on a le même nombre de valeurs de A. Pour chaque valeur de A, on a le même nombre de valeurs de A. Par exemple, A, on a 50 valeurs distinctes de A R. 50 valeurs distinctes. Supposons que A est un entier. On a 50 valeurs distinctes. On a, par exemple, 1 à 50. On a la table R, on a 5000 lignes. D'accord, on a 5000 lignes. Quand les données sont distribuées uniformément, la valeur de A égale à 1, elle va apparaître le même nombre de fois que la valeur de A égale à 2. Elle apparaît le même nombre de fois que la valeur de A égale à 3. Donc, je vais distribuer uniformément. Voilà bien, on a le nombre de valeurs distinctes, mais on a le nombre de valeurs de chaque valeur. Le nombre de valeurs de chaque valeur de A, on va diviser le nombre de tubes sur le nombre de valeurs distinctes. Le nombre de tubes sur le nombre de valeurs distinctes. Par exemple, A égale à 10, chal marat ben. A égale à 10, chal marat ben. Si on suppose que les données sont distribuées uniformément, rahat ben, le nombre de tubes divisé par le nombre de valeurs distinctes de A. Il faut comprendre le principe parce que le principe va être l'évaluation le coût d'exécution d'une requête. On utilise souvent le principe. Parce que c'est un offre les restrictions. Il faut une restriction, je vais faire un tuple. Et c'est des estimations. D'accord. Donc on explique sur l'exemple, il y a un peu plus pour le. Donc, d'ailleurs, pour évaluer le coût d'exécution, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a le nombre de tuples. R, fait le même tuple. Il y a 5000 tuples. R, il y a 5000 tuples. Ou S, il y a 2000 tuples. Quand je fais un produit cartésien, donc d'ailleurs c'est entre parenthèses, c'est un produit cartésien. À fond, je n'ai pas produit cartésien, maintenant pour chaque valeur de R, on dit toutes les valeurs de S. Donc, on a déroulé le calcul. Alors, qui est la jointure? Quel est le nombre de tubes que j'obtiendrai? Qui est R? Produit cartésien à S. 10 millions. Voilà, on dirait 5000. Fois 2000. C'est 1000 fois 2000. Lucas a déjà une jointure, non? Jointure sur B. Où est-ce que
je divise sur le nombre de valeurs distinctes de B. D'accord? Je divise sur le nombre de valeurs distinctes de B. Je pense qu'on va faire peut-être ce cas. Je dois le faire. Bon, l'image a démarré de changer de jointure sur B. Dirouna. And. On suppose qu'il y a une jointure sur B. Where A égale à 10 and R.B égale. Égale S.B. Est-ce que vous voyez on a une jointure où la clé de jointure, il y a B. R.B. égale S.B. Je divise, il a dit la jointure, maintenant pour chaque ligne TR, je garde les lignes TB, mais je ne garde que les lignes où B égale à B, R.B égale S.B. On divise par le nombre de valeurs distinctes TB. On divise par le nombre de valeurs distinctes AB. Puis, nous avons une nouvelle ligne qui respecte approximativement, qui respecte R.B égale S.B. Le nombre de valeurs distinctes AB, nous avons le nombre de valeurs distinctes AB, R ou 100, ou S ou 200. Nous avons une égalité. Quel maximum nombre de valeurs de B qui est égalité entre les tables R ou S sur B. Le nombre de valeurs distinctes max ou qui est égalité 300. 300, il y a nous, très bien. 300, il y a nous, les valeurs ne sont pas incluses dans les valeurs. Sinon, le nombre de valeurs distinctes est 300. Mais ça, je vous mets les lignes qui ont une différence. Égalité. Égalité. Le nombre de valeurs distinctes de B dans les R et S, c'est 300. Il est qu'à nous des valeurs distinctes. Mais nous avons une chose de plus. De plus, on cherche les lignes qui confirment R.B égale à S.B. 100. 100 au maximum. Il peut y avoir 0 lignes, il y a une gamme différente. Mais au maximum, il peut y avoir une valeur égale ou à 100. On est d'accord. Au maximum, il peut y avoir 100 valeurs distinctes qui sont à 100. Il peut y avoir une gamme. D'accord. Quelles sont les lignes? Fais-moi la note. Donc, on dit 5000 lignes TR fois le nombre de lignes de S divisé par 100. Les lois, le minimum entre les valeurs distinctes de S et B. Donc, il y a la cardinalité. Égale cardinalité de R fois cardinalité de S, je divise cardinalité de R cardinalité de S divisé par le min
le min bin, les valeurs distinctes de R, D et nombre de valeurs distinctes de S et D. Donc, allez, ça va nous donner. شحال 10 puissance 5 اذا غلطت صحوا لي 10 puissance 5 وشنو tuple approximativement d'accord en cardinal flash jointure la cardinalité de R fois la cardinalité de S sur le minimum bin des valeurs distinctes de B dans R et S. Nous pouvons dire une jointure par rapport à une clé primaire. Donc, supposons que B y a une clé primaire S ou clé étrangère R. Le nombre de valeurs distinctes, tab dans dans la jointure, le nombre de valeurs distinctes, tab la table, oui, avec les primaires. Maintenant, le nombre de lignes, tab. Je vois l'exemple suivant, l'exercice suivant. Le cas de B égale, est une clé primaire. Déjà, le cas de val de B dans S égale à 2000, parce qu'il y a une clé primaire, le nombre de valeurs distinctes à O et le nombre de tuples. Aucune des rôles la jointure à une clé étrangère, le nombre de valeurs distinctes, qui prend toujours le nombre de valeurs distinctes de toutes les clés. Le nombre de lignes à la table, il fait la clé primaire. Si ce n'est pas clair, on a oudé. Ensuite, on dit là. Donc, on a eu le résultat qu'on a obtenu. Déjà, le nombre de tuples qu'on a obtenu pour la jointure, le haut est 10 puissance 5. 10 puissance 5. Fois, je le divise. Par le nombre de valeurs distinctes de A, nombre de valeurs distinctes de A dans la jointure. Où est le nombre de valeurs distinctes de A dans la jointure? Où est le même nombre de valeurs distinctes de A dans R? Parce que A met bench fil S. Donc le nombre de valeurs distinctes de A dans R, où est séquent? Donc, je vais savoir quel ligne A égale à 10. Je divise par le nombre de valeurs distinctes, puisqu'on a supposé que les données sont distribuées uniformément. Donc, je divise par 50. Ce qui est égal à 10 sur 5. Allez, chano 0 z. Donc, de 10 000 divisé par 5. 2 000. Et dans l'autre, ça roule. Donc, au final, la requête Terry, elle va me retourner 2 000 tuples. On va faire une projection. La projection ne va pas améliorer. La dernière projection, ne va pas améliorer le coût d'exécution finale parce que là, je mets les 2000 tuples en mémoire. Dès la projection, je l'exécute en mémoire. C'est juste pour qu'il y a... Les projections minimisent la taille des résultats, minimisent le coût d'exécution qui diront à l'intérieur de l'arbre. La projection finale ne va pas améliorer le coût d'exécution puisqu'elle va s'exécuter en mémoire. Et puisque c'est bon, je peux te garder les données, donc
La taille du résultat, ça va être 2000 fois la taille de... A plus la taille de B plus la taille de C. Donc, si on vous demande la taille du résultat, c'est 2000 lignes fois multiplié la taille de A fois la taille de B plus la taille de B plus la taille de C. Et le coût d'exécution en nombre d'opérations d'entrée-sortie, là, en nombre de, on l'a calculé en nombre de tuples, il est égal à quoi? La première opération, Rahendjib, 10 puissance 5. La première jointure, Rahendjib, 10 puissance 5 tuples. Plus, je lui rajoute, la deuxième opération liée à la restriction, Rahendjib, 2000 tubes. Hada où est le coût d'exécution? Mais Zidoulou, le dernier, parce que le calcul va se faire, la projection va se faire en mémoire. Elle ne va pas améliorer le nombre d'entrées-sorties. Donc, Rahendjib, 10 200, 2000, non, 1000. Allez, 102 000, j'écrirai opération. Opération d'entrée-sortie. Donc, il vient du bout tuple par tuple. Ça va être 102 000 opérations. Il vient du bout par bloc. Il faudra diviser par la taille d'un bloc. Opération d'entrée-sortie. Est-ce que c'est clair? Donc, le coût d'exécution final, tu as une requête, on va faire la somme, tu as le nombre d'entrées-sorties, donc le nombre de tuples. D'accord? Là, le harira, on a tuples, l'exemple, tu as là. Mais en réalité, on bloque, mais c'est en tuples. On va faire le calcul, la deuxième, je vous fais la femme tout. Essayez de le faire. La deuxième, on a la restriction. Donc, je préfère effacer un moment. Je mets des idées, je fais des calculs. Donc, R, il y a 5 000 lignes. Je fais une restriction A égale 10. J'obtiens combien de tuples? Je suis à l'opération linéaire. S'il vous plaît, je vous fais la fin de tour. On dit 5 000 tuples, R. Oui. Cardinal R sur Très bien. Cardinalité de R sur le nombre de valeurs distinctes. Puisqu'on a, on suppose que les données sont distribuées uniformément. Valeur distincte de A dans R égale à 50. Mais je n'arrive pas la valeur de A égale à 10 phi R, je divise par 50. Et donc, j'obtiens 100. Déjà, le nombre de tuples, au lieu de 5 000 tuples, qui m'a demandé de jointure 5 000 tuples, R, va faire 100 tuples. D'accord. S fera 2 000 tuples. Donc, à la jointure, qui m'a demandé, on suppose de la jointure BDA. On a la même requête encore un autre. Alors, je suis calculé. Allez, R.B égale S.B. Je suis fait le calcul. Le nombre de tuples que j'ai obtenu de la branche, il y a 100, fois... Le nombre de tuples de S, il y a 2000. Et je divise par le nombre de valeurs distinctes de B
sur la jointure. On joue le nombre de valeurs distinctes de B sur la jointure. On a, c'est le minimum de la valeur distincte à B sur A ou sur B. Donc, je divise par 100. Et j'obtiens la dernière opération avant la projection, c'est le même nombre de tuples parce que c'est la même requête. La même requête doit me retourner le même nombre de tuples. C'est l'optimisation au cours du calcul. Donc, le coût final. D'accord. Je chiffre la dernière opération, le même nombre de tubes. Il y a les plans d'exécution. Ça fait le coût final. Il y a égal à 100 plus 2000. C'est égal à 2100 opérations. Opérations. Donc on voit bien l'optimisation. On a 100, 2000, 2100. On a une seule restriction, l'emplacement. Donc la requête est assez simple, mais le coût a été réduit considérablement. Bien sûr, la taille du résultat doit être la même. Parce que c'est la même requête finale. C'est la même requête. Le résultat final doit être le même. Madame. Oui. Mais sur le déroulement. Les deux cas. كيما حنايا راح نخدموا بالار والاس. في الوش انا خدمه بالطابلو ا بالطابلو اس كيفاش باش نقول لك ار و اس الطابل ار والطابل اس ايه قلنا باش نديرو الجوانتور راح نفيريفيو في لارام ما نقدرش نديرو الحسابات تاعنا بيان سور سي باس اوبليجي نجيبو كامل ار وكامل اس نجيبو لا كامل ار اي باسكو لا ميموار تقدر ما تكفيش اذا تكفي راح تجيب كامل ار وكامل اس Sinon, Eh, ou la par bloc, ça dit bon, dans tous les cas, là, me dit le coût à qui j'ai R ou j'ai S, oui. On dit que le haka, donc on peut avoir un zido, plus, on a j'ai camel R ou j'ai camel S. Oui, ça m'a dit que le haka, normalement, on a dit que le petit bâtiment urbain, on zidera le coût. Le coût de chargement de R plus le coût de chargement de S. Donc on a 5000. On a 2000. Donc, disons les coûts, comme le coût initial. Donc, disons les deux, comme ça, ou alors, ne fait pas de différence qui dira la comparaison, parce que les deux cas, disons. Donc, ce n'est pas ça qui fait la différence. D'accord? Oui. Maintenant, donc, on a plus 5000 plus 2000, ou on a plus 5000 plus 2000. Donc, ne va pas faire la différence, mais tu as raison, normalement, le coût du plan 1, zido plus taille de R, la cardinale de R, cardinale de R plus cardinale de
de S. ولا نكتبها لكم باش ما ندخلوش في هذا باسكو ما سا سي ريان راح نزيدهم نكتب لك برك بلس لو كو دو شارجمون دي دي ماشي دي دو طابل على ضربه لا طابل اون اه راهي ثقيله كي نخرطاج معاكم ما نبعث لكم الكوريجي بروبر بروبر ايغ راح تجيبها كامل مسح اس اس pour chaque ça dépend pour chaque tuple de r de jib s اكفهمني اه باش زعما نجيبو r كومبلي و s نجيبو بشويه باش كومباري دونك تكتب لا تاي تاع r بلس لا تاي تاع r فوا لا تاي تاع s دونك انا واش نكتب لك هنا برك بلس وي انا كان على بالي ما تصاش هكذا لا بيان سقسي تاي دو شارجمون علاش باش نكونوا كويت دو ار اي اس مي هادي ار اي اس ماشي دير لا تاي تاع ار بلس لا تاي تاع اس سا ديبون كيفاش تصرا كيما يقول كي تكون بوكل امبريكي نجيبو تاع ار بو شاك توبل تاع ار ولا بو شاك بلوك تاع ار نجيب كاع لي بلوك تاع اس داكور مي راح تكون لا ميم شوز بين هنا وهنا صح ما تكونش لا ميم شوز باسكو هنايا نقصنا لو نومبر دو توبل نقصنا لو نومبر دو توبل دونك هنايا تولي بور شاك توبل دو ار 100 فوا لا تاي تاع مي هذا واش حسبنا 100 فوا لا تاي تاع نو هذا واش درنا بالك انا راني ما نزيدوهاش في لو كالكول هاوليك سي سي سكون افي سي 5000 فوا 2000 هذا واش درنا اكتبها معايا وي راني نتبع لا سي كوريكت واش قلت لي والحساب رانا درناه هاي لي شارجمون تاع ار شارجمون تاع اس pour chaque tuple هنا درنا par tuple pour chaque tuple تاع ار je charge tous les tubes تاع اس ايه لي خصت سي لو شارجمون تاع ار المره الاولى دونك بلس لا تاي تاع ار Ou là, tu as plus la taille de R, ce qui ne va pas faire de différence entre les deux. Donc, là, tu as plus la taille de R. Ou là, tu as plus la taille de R. Voilà, j'en charge R. On va être pour chaque tuple de R, je charge tous les tuples de S. Ou là, il y a Maraloula, je charge R. On va être pour chaque 100 adolescents tuples de R, je charge tous les tuples de S. Mais si on veut comparer les deux coûts, donc Hadak, c'est un peu. Bon, si tu parles la différence. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir rapidement. Allez. On passe à l'exercice suivant. Je vous laisse 5 minutes pour lire l'exercice. Et on va faire le calcul encore un peu plus en détail. Mais je suis plus en détail, mais un peu plus réel. Maintenant, on dirait des chargements par bloc au lieu... C'est ce qui se fait en réalité. Le chargement se fait par bloc, mais je ne sais pas par ligne. Abonnez-vous à une petite pause avant d'enchaîner. Oui, non. Oui, on a fait comme 5 minutes pour lire l'exercice. Les habits riaient, fermaient, riaient. Les habits, il faut qu'il y ait l'exercice. Donc, je reviens à 12h30. D'accord.
Alors, on reprend l'exercice. Donc, je finis le premier exercice, comment utiliser un arbre algébrique pour optimiser la requête. Le deuxième, tu as le mena qui fait, on calcule le coût d'exécution. Cet exercice, kif-kif, on va élaborer un arbre algébrique correspondant à une requête et on calcule le coût d'exécution. Mais en fait, l'exercice, c'est un peu plus réel. Donc, les chargements des données à partir du disque, en général, ne se font pas par tube, ça se font par bloc ou page mémoire. Par bloc ou page. Un bloc ou une page, quand je dis bloc ou page, je désigne la même chose. Donc, contient un ensemble de tuples. Donc, on a une base de données faite à trois tables, étudiant, livré, emprunté. Emprunté, il y a une table d'association qui lie étudiants et livres. Les empreintes à un étudiant d'un certain livre. Et on nous donne une requête, donc select le nom de l'étudiant, select les noms des étudiants qui empruntent des livres de l'auteur Date et les étudiants qui sont âgés entre 12 ans et 20 ans. Elle nous donne des statistiques sur la base de données. Donc, la table étudiant contient 10 000 tuples qui sont stockés sur 1 000 pages. Voilà, j'attends de l'information pour calculer la taille d'une page. Donc, une page contient 10 000 divisé par 1 000. Une page fait combien de tuples? Maintenant, 1 000 pages d'étudiants. Pour calculer par la suite le nombre d'entrées et sorties, en réalité, il y a le nombre de pages. Il y a une page de la table étudiant pour pouvoir charger toute la table de pages. Donc, pour charger toute la table étudiant, pour charger toute la table étudiant, j'ai besoin de charger 1 000 pages. Et donc, j'ai besoin de faire 1 000 entrées et sorties, 1 000 accès disques. Kif kif pour la table livre, Adna, 50 000 enregistrements stockés sur 5 000 pages. Donc, pour charger toute la table de livres, il me faut 5 000 accès disques. Si je charge page par page. La table empruntée fait à 300 000 tuples et stockée sur 15 000 pages. Alors, on a le nombre de valeurs distinctes de hauteur. Dans la table livre, il y a 500 auteurs. Pour nous aider à estimer le nombre de tuples retournés ben la restriction, auteur égale date. Donc, on dit 500 auteurs différents, on suppose que les données sont distribuées uniformément. Donc, le nombre de livres, auteur date, la table livre, c'est 50 000 divisé par 500. On a une information sur les âges. Les âges des étudiants vont de 7 à 27 ans. Kif kif, on suppose que les données sont distribuées uniformément. On a le nombre d'étudiants pour chaque âge. Le nombre d'étudiants, on fait 8 ans, donc 8 ans, et qu'on a 10 000 divisé par le nombre de valeurs, 27 moins 7 plus 1, 18 valeurs quand même. Donc, je divise. D'accord. Donc, les deux dernières données, c'est pour calculer. Si tu veux, je vais vous dire la valeur 1 sur le nombre de valeurs distinctes ou la
سميوه لو فاكتور دو سيليكتيفيتي، لو فاكتور دو سيليكتيفيتي داكور، ان سور لو نومبر دو فالور ديستينكت وسمو لو فاكتور دو سيليكتيفيتي. سي جامي تتلاقاو مع هاد لو مود قولو ما نعرفوش، هذا هو لو فاكتور دو سيليكتيفيتي، شحال يبيرمي دو سيليكسيوني دي دوني من لاطاب. C'est, il représente sur la probabilité que je sélectionne une valeur de la table. Donc, quand on va la taille de la table, on a le nombre de tubes qui sont là. Alors, la question, donner un plan d'exécution pour cette requête. Plan d'exécution. Après, donner un plan d'exécution, on a l'arbre algébrique. L'arbre algébrique, où est le plan d'exécution? Parce que l'arbre algébrique, on peut le faire opérationner le bda. Le bda, il est en train de faire les nœuds. Et on monte dans l'arbre. Donc, il y a une petite jointure, on va être la restriction. Là, c'est un plan d'exécution. Il y a une petite restriction, on va être la jointure. C'est un autre plan. Donc, donner un plan d'exécution pour cette requête, en supposant qu'il n'y a pas d'index et que les données ne sont pas triées sur n'importe quel attribut. Donc, maintenant, j'ai un index sur les tables, sur n'importe quel attribut, supposant même les clés primaires. Donc, maintenant, j'ai un index à l'iron. Ou maintenant, où les données ne sont pas triées. Donc, quand on vous dit qu'il n'y a pas d'index, les données ne sont pas triées, on a qui déroule les jointures, ça va être des jointures en boucle imbriquée. D'accord, je récupère tout la première table et pour chaque ligne de la première table, je récupère tous les blocs de l'autre table. En boucle imbriquée, maintenant j'ai index. Donc, la question, on nous demande de calculer le coût de ce plan. Le coût d'exécution et la cardinalité de résultat. Cardinalité du résultat, c'est la taille du résultat. Et le coût, c'est la somme des différents. On va faire juste la question A et B. Les questions suggérées, un index, calculer le coût. À nouveau, on n'a pas le temps de le faire. Je vous donnerai quand même les réponses si vous voulez les faire seul. Alors, on commence. Donc, la première question... Paluna, il y a un plan d'exécution. Donc, il y a plusieurs plans d'exécution. Il faudrait qu'on ait un plan d'exécution optimisé. Donc, on a un plan d'exécution sur lequel on a fait le corriger. Et on travaille par rapport à ce plan d'exécution. D'accord. Vous pouvez proposer un autre plan et vous aurez un autre résultat. Donc, le plan d'exécution, on va faire la jointure d'abord bin étudiant et emprunté. Ensuite, la jointure main livre. Ensuite, je fais les restrictions. Hauteur égale date et l'âge entre 12 et 20. Anahada, c'est un arbre non optimisé. D'accord. Et on va calculer le coût d'exécution. Donc, on va dérouler, l'étudiant, comment ça va se passer, l'arbre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les 10 000 tuples d'étudiants. D'accord. On va récupérer les 10 000 tuples bloc par bloc, tuple par tuple. Donc, pour connaître le nombre d'accès disques, je divise le nombre de tuples par la taille du page. Donc, on a le nombre de pages, c'est bon. On a le nombre de pages, donc je fais, pour étudiant, un des 1000 pages, je fais 1000 accès disques, le nombre de blocs d'étudiants. Pour chaque bloc, puisque j'ai une jointure boucle imbriquée, pour chaque bloc, je récupère tous les blocs à la table empruntée. On est d'accord. Ensuite, le résultat que j'obtiens, la jointure, qu'est-ce que je fais? Le résultat que j'obtiens après jointure, c'est un ensemble de tuples qui respecte la jointure, la clé primaire de l'étudiant et la clé étrangère empruntée. Donc, les tuples que j'obtiens, pour chaque tuple, on va supposer que les tuples tiennent bien en mémoire, maintenant on garde en mémoire. Pour chaque tuple du résultat qui est en mémoire, je récupère tous les blocs de la table livre. Ensuite, en mémoire, j'exécute la restriction. En mémoire, donc je suppose que le résultat tient bien en mémoire. En mémoire, j'exécute la restriction. On a le coût d'exécution. Parce que la restriction, on va la faire en dernier et en mémoire. Donc, elle ne va pas réduire le nombre de tuples, les accès disques. La restriction, la jointure. Donc, on va calculer
n'est le coût d'exécution. Par contre, elle va nous modifier la cardinalité du résultat, la taille du résultat. Alors, on calcule le coût. Qui peut me donner, donc on, le système loi des abréviations, ET veut dire étude, la table étudiant, EM emprunté, L livre, et B, c'est le nombre de blocs. Le nombre de blocs d'une table. B de ET, c'est-à-dire le nombre de blocs de ET. Qui peut me donner le coût d'exécution de la jointure ET, la jointure entre étudiant et emprunté. Allez, si vous avez, j'ai expliqué. Qu'est-ce qu'on va faire de la jointure? Étudiant et emprunté. Qu'est-ce que je fais? 100 000 fois, j'allais avec 300 000 à la nombre de blocs. Audley? واش نديرو عاود ليتي؟ نعم؟ النومبغ ديال الدروس تاع لي زيتيديون فوا النومبغ تاع الامبرونتي على لي بلوك على النومبغ تاع البلوك دقيقة هنا ماناش نحسبو برودوي كارتيزيان هذا لا لا ها؟ هذا شغل برودوي كارتيزيان جوانتيغ هادي لا لا ماشي برودوي كارتيزيان اون جوانتيغ بارابور على كلي بصح كي دير هنا مانيش نحسب لو نومبر كاين اون ديفيرونس راه عطي لي هنايا كارديناليتي نتاك تعطي لي كارديناليتي عندك الحق راه كارديناليتي لو نومبر هنايا غادي رانا نخدمو بار بلوك ما تنساش لو كو ديكزيكسيون راح يكون ديفيرون على كارديناليتي معليش نبداو كيما من قبل في ليكزيرسيس تاع من قبل حسبنا كارديناليتي دونك كارديناليتي تاع هاد لا جوانتور سي كارديناليتي تاع ايتوديون شحال لو نومبر دو كارديناليتي تاع تي فوا كارديناليتي دو امبرونتي هذا واش قلت لك جو ديفيز بار لو نومبر دو فالور ديستينكت تاع لا كلي تاع ايتوديون شحال هنا لا كلي تاع ايتوديون من قبل درنا لو مينيموم بين يعني 2000 تبقى هي تبقى هي باسكو كلي بريمير دونك لو نومبر دو فالور ديستينكت تاع لا لا نومبر دو فالور ديستينكت تاع لا كلي ايتوديون هي كارديناليتي دو ايتوديون باسكو سي كلي بريمير داكور Et donc, ça, c'est égal à, c'est égal à cardinalité de EM. Est égal à, la cardinalité de faire emprunter faire 300 000. 300 000. On est d'accord? Cardinalité de T fois cardinalité de 1 sur nombre de valeurs distinctes de la clé de NDOBL et OA ET. Donc, il parlait toujours. D'ailleurs, même qu'il dit une jointure par rapport à une clé primaire qui est une clé étrangère à l'autre, alors d'ailleurs, c'est beau le nombre de tubes à la table, l'autre table. C'est logique. Qui dit jointure bin étudiant est emprunté par rapport à la clé. Le nombre de lignes, c'est bon. C'est le nombre de lignes. Gat a emprunté. Puisque Gat a emprunté, Gat des étudiants, Gat les clés apparaissent empruntées. Maintenant, le coût, je vais vous dire. Le coût d'exécution, c'est que je vais vous dire accès disque par bloc. On va charger la table étudiant. Donc, c'est égal à D, nombre de blocs. Hein. Bloc de ET. Nombre de blocs de ET. ومن بعد واش قلنا نديرو جو شارج لا طابل ايتوديون من بعد واش ندير واش ندير لا جوانتور اون تيرم دو شارجمون شارجي او بار بلوك اي بار بلوك بصح واش ندير شارجي كامل ايتوديون ومن بعد بور شاك بلوك دو ايتوديون واش ندير لا جوانتور واش لازم ندير Pour chaque bloc de étudiants. Malgré les primaires, tu as étudiants. Eh, ça fait le chargement.
واش ندير هاد لا جوينتور بين ايتيديون امبرنتي واش ندير مع لو نشارجي ايتيديون جو سوي اوبليجي شارجي لا طابل ايتيديون علاش لو شوا لازم نبدا بها وبعد باش ندير لا جوينتور مع امبرنتي pour chaque bloc de étudiant je charge tous les blocs dans de emprunté d'accord donc pour chaque bloc de étudiant je charge tous les autres blocs de emprunté charge aucun les blocs eh ça bloc par bloc mais tu dis bon on est en train de chargement par bloc pour des jointures mais je prends des cartes ايه بصح انت كي راه انت ديجا واحد كنت تقول لي من قبيل هذاك لا كومباريزون حيت صرا او ميموار فهمت هنايا وعلاه رانا نحسبوا لا طاي تاع لو ريزولتا هذايا على بالي كنا ديفيزيو باغ لا طاي تاع لو ريزولتا سي با لا ماشي لا طاي تاع ايتوديون فوا لا طاي تاع امبرونتي لا طاي تاع لو ريزولتا فينال ماشي لا طاي تاع ريزولتا فوا لا طاي تاع امبرونتي جو ديفيز باغ nombre de valeurs distinctes. C'est-à-dire la taille du résultat. Ça fait chier le résultat. Il est obligé de charger tous les blocs pour faire la comparaison avec le calcul avec en mémoire. Là, je vais voir ce que je vais dire, je ne me trompe pas. Là, on calcule le nombre d'accès disques qui vont dire pour chier le résultat. واش راح يدير يشارجي كاع ايتوديون بعد بور شاك بلوك دو ايتوديون يشارج تو لي بلوك دو امبرونتي لو بيجي دو فير سا وهاديك لا كومباريزون بين لا كلي راح يديرها او ميموار وي داكور دونك هنايا عندنا نومبر دو سي 1000 نومبر دو باج تاع ايتوديون بلوس 1000 فوا نومبر دو باج تاع امبرونتي سي 15000 15 000 il faut faire le calcul là. بعد هذا النمبر دو لين اللي هو شحال 15 × 10^6 + 8000 حيعطي لي هذا النمبر دو لين لو نمبر داكسي دونك اونتري سورتي ما طب صح هكذا علاش انا نزيدو تاع بي او تي البلوك تاع او تي شاك نورمالمون شاك بلوك مع ام تسمى فوا برك بي او تي فوا بلوك تاع امبرونتي نو هو يجيب كاع لي بلوك في يجيب لي بلوك يحطهم اون ميموار يجيب ايتوديون بون سا ديبون لا ميموار شحال ترفد من بلوك دونك يجيب كاع ايتوديون اون سوبوز ترفد كو لا ميموار ترفد كاع لي بلوك تاع ايتوديون دونك هو يروح للديسك يجيبهم بلوك بار بلوك يحطهم اون ميموار يشارج ايتوديون ومن بعد يبدا يباركوري ها درنا سكاني لي ميل تيبل يبدا يباركوري لي تيبل تاعو بلوك با بلوك هو من الديسك يقدر يجيب غير ان سول بلوك لا ميموار ما على بالناش شحال تقدر ترفد دونك واش راح يدير هو من بعد بور شاك بلوك دو ايتوديون راح يجيب كاع لي بلوك تاع امبرونتي يجيبهم بالواحد بور سا رانا نديرو هو من الديسك راح يجيب يقدر يجيب ان سول بلوك على فوا يجيب لو بخومي بلوك بعد يجيب لو دوزيام يجيب لو تخوازيام يجيب لو بروميي يفي قال لي كومباريزون بين لو بروميي بلوك و دوزيام كي يكمل يروح بعد لو دوزيام بلوك اللي راهو ديجا اون ميموار يروح يجيب قال لي بلوك تاع علاش ما يديرش العكس يعني شغل يشارجي كامل ايتيديون او بلي نومبر دي بلوك تاعها ومن بعد يجيب بلوك واحد من امبرونتي وهذاك البلوك اللي كومباري بيهم كامل ماشي على العكس يجيب بلوك واحد من امبرونتي ويكومباريه مع كاع لي بلوك اللي راهم اي سي لا ميم شوز لا لا انت سيم شي هنايا كي درنا هذه بي او تي ماشي معناها يعاود يشارجي ايتوديون ماشي يعاود يشارجي بلوك تاع ايتوديون راني نحسب شحال من مره يعاود يشارجي
شحال من مره يفا شارجي ان بلوك دو امبرونتي. ايه مي بصح انا كيما قلت لك راح يولي شارجي هو النومبر دو بلوك تاع امبرونتي ديريكت يتولي بي اوتيديون بليس نومبر دو بلوك تاع امبرونتي باسكو راح يجيب البلوك الاول تاع امبرونتي ويكومباريه مع كامل لي بلوك تاعنا تاع اوتيديون بعد يرجعوا ويجيب دوزيام تاع امبرونتي ويكومباريه تما تولي اه ما هنا رانا نسوي لو برانسيب تاع لا جوينتور كومون اي سو في هنا شغل راك بروبوزي حاجه مي كيفاش يخدم لوبتيميزر ولا كومون سا سباس اون رياليتي مي لا طابل الاولى بعد يبدا يجيب لي بلوك تاع لا طابل دوزيام تجيب الاولى بعد جو سي با اذا كاين هاد جو سي با سي سا مارش كيما راك تقول هي في لا جوينتور يشارج لا بروميير طابل ومن بعد بور شاك توب ولا الا خدمنا بار بلوك بور شاك توب راح يسكاني لي زوطر ماشي يدير العكس ماشي يجيب واحد ويسكاني قالو لا جوينتور كي تمشي هكذا et donc on suit l'algorithme d'exécution à la jointure. D'ailleurs, عطاكم في الكور les différents algorithmes هذا par boucle imbriquée donc c'est des algorithmes qui s'exécutent qui l'optimiseur exécute. L'algorithme يقول لك pour chaque tuple ou là pour chaque bloc ça dépend l'unité de la première table on charge tous les tuples à les autres. On compare un gars les tuples à les autres. D'accord, donc on est en train d'appliquer un algorithme. Et l'algorithme est différent quand on a un index. Quand on a un index, pour chaque bloc d'étudiant, directement, on dit le bloc t'as emprunté. Il y a un accès direct maintenant. Par pour je gagne. Oui, c'est l'algorithme, il dit le calcul. C'est ça l'entrée sortie. Et calcule, t'as les entrées sorties. T'as wish. Ou avec l'algorithme, il dit qu'il faut que la requête. Mais il faut que tu fasses la requête. Et tu récupères les données. D'accord. L'algorithme, il dit qu'il faut que tu fasses la requête, s'exécute. Selon l'exécution de la requête, tu récupères les blocs. Donc, on a la même chose. On a une autre jointure. On a un ensemble de tuples la mémoire, les OSC, mais on sait. On a des tuples, on a des 15 millions de tuples. Pour chaque tuple, je récupère tous les blocs de L. Ça a des tuples déjà en mémoire. Donc directement C fois bloc de L. Pour chaque tuple, je charge tous les blocs de L. Ce qui va me donner le nombre de tuples. C'est ça que je vais faire. Donc c'est 300 000 fois entrées sorties. D'accord. هنا لي كارديناليتي شحال يكونوا عندنا كارديناليتي كي ندير لا جوينتور تاع اتيديون مع او ام كانوا عندي 300000 كوب فوا كارديناليتي دو ليف جو ديفيز بار les valeurs distinctes tu as la clé livre les ouais, le cardinalité de livre parce qu'il y a une clé primaire
Donc, le nombre de tuples, là, il est toujours égal à 300 000. Toujours jointure avec emprunté, il fait à des clés étrangères. Donc, j'obtiens toujours le nombre de tuples de emprunté. La restriction qu'on a des se fait en mémoire, donc maïshraha, donc c'est zéro entrée sortie. Faites l'étape, zéro entrée sortie. Par contre, là, le nombre de tuples. La restriction, je n'ai le nombre de tuples, il y a de 300 000. Ou une restriction sur le nombre d'auteurs. Donc, fois 1 sur nombre de valeurs distinctes de auteurs dans le livre, c'est 500. Fois, pour l'âge, on a le nombre de valeurs sur le nombre de valeurs distinctes. Le nombre de valeurs... Non, la requête, Alouna, nous l'âge supérieur à 12 et inférieur à 20. Je n'ai pas une valeur en ligne. Alors, 12, c'était le... 7. 7, voilà, 7. Sur le nombre de valeurs distinctes, Alouna, les âges, Alouna, 18, 17 et 24, 18. Donc, nous avons 7. Sur 18. Qui fait on a le nombre de valeurs, les adnaf la requête, 7. Et le nombre de valeurs distinctes, les âges des étudiants vont de 7 à 24. Donc c'est juste une estimation. Donc adna, chaque une valeur, valeur distincte à l'âge. 7 à 24, chaque année 18. Ah ouais, c'est bon ça. D'accord. 7 et 24, on dit, Nayan Zidoua, 18 valeurs distinctes. Donc, on va faire 7 sur 18. Donc, Nayan, 18, c'est les valeurs distinctes de H. 7, c'est le nombre de valeurs de l'indé. D'accord. Maintenant, donc, le nombre de tuples de l'indé est approximativement 243. On va comme le résultat final. D'accord. Le nombre de tuples. Il a parlé comme la taille, c'est un peu la taille d'un... à la projection. La projection, je donne à le nom. Fois la taille, t'as le nom. Nombre de tuples, fois la taille, t'as le nom. Donc, le total, il faudra faire la somme. Bien. Parce que je vais faire le nombre d'entrées sorties, donc égal à ça, plus ça. D'accord. On dira la somme. Regardez comme le résultat final, le corrigé final. Voilà, on a terminé avec cet exercice. Je ne sais pas c'est trop, si c'est clair. Kainri, Borne, Schliff qui posait des questions. Donc, essayez de refaire l'exercice. Comme si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer. Je vous envoie un le corrigé. D'ici l'après-midi ou la Ordo Inch'Allah. Avez-vous des questions? On arrête. Donc, si vous n'avez pas de questions, on arrête ici. Bon courage pour vos examens. Salam alaikum. Merci madame. De rien.